Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V et je vais pas vous le cacher, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo, étant donné que c'est un peu bizarre comme vidéo. Donc je sais même pas si je vais mettre glitch, astuce ou je sais pas du tout, étant donné que là aujourd'hui je vous propose des activités vraiment what the fuck. C'est-à-dire par what the fuck, ça veut dire que vous allez pouvoir rentrer dans n'importe quel, pas n'importe quel bâtiment, mais dans de nombreux bâtiments, dans des affrontements. Donc moi, dans cette vidéo, je suis rentré dans l'affrontement, dans le bâtiment le plus grand de tous les affrontements. Donc les affrontements seront disponibles dans la description sur Xbox 360 et PS3. Donc il y a des affrontements dans le commissariat de police, dans la Maze Bank, dans l'hôpital, dans la maison de Franklin, maison de Trevor. Il y a vraiment de tout. Il y a dans la Senora Bank, dans le laboratoire où je suis. Il y en a vraiment un paquet. Donc vous retrouverez toutes ces activités ou ces plays ou les playlists dans la description. Vous n'aurez plus qu'à les télécharger via le Social Club et après vous les lancer en appuyant sur Start et tout simplement en les lançant. Donc ça peut être assez fun. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités. Moi je les ai testées quasiment toutes, je les ai toutes testées. Ils sont vraiment très très fun, il y a vraiment moyen de faire des trucs assez drôles dedans. Donc par exemple dans celle-là vous pouvez faire des petites parodies ou des petits délires. Il y a vraiment moyen. Moi j'ai été dans le commissariat avec des potes. Et en fait quand on est dans le commissariat, c'est dans la Senora Bank. Et dans la Senora Bank en fait il y a le coffre-fort comme dans la pub d'Op. Fixation béton, je sais pas trop quoi là. Et du coup ils ont commencé à faire un petit délire avec la pub et tout. Du coup ils étaient en train de se coller au mur. Et ils faisaient comme si c'était eux dans la pub. Et du coup ils ont tout cassé, sauf que malheureusement l'or n'est pas tombé. Il n'y a pas eu d'argent, il y a eu absolument rien. Donc du coup c'était un petit délire comme ça. Ce qui est assez drôle aussi c'est de tirer tout simplement dans les bidons d'eau qui sont là. Donc ça a aucune utilité mais moi je trouve ça drôle. Voilà, il y a de l'eau qui coule. Alors de l'eau qui coule mais qui n'apparaît pas sur le sol. Je sais pas comment ils font ça chez Rockstar, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas comment ils produisent de l'eau, mais je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, comme je l'ai dit, toutes les activités se trouveront dans la description. PS3 et Xbox 360. J'ai pas d'autre chose à ajouter. De toute manière, c'est vraiment très très bref. Je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, lâchez un petit like et lâchez un petit partage afin que vos potes puissent tout simplement aller dans ces activités complètement what the fuck. Ou dans des bâtiments assez improbables. Dès que j'en ai, je vous en balance des nouvelles sur Facebook et Twitter. Donc c'est important de venir me suivre sur Twitter et Facebook. Je vais pas refaire une vidéo exprès. Mais par contre, je les mettrai dans la description si jamais j'en trouve d'autres. C'est pas très compliqué. Je vais sur des profils des joueurs Social Club. Je sais très bien quels joueurs font ce genre de... ce genre d'activité, des genres de courses, etc. Je sais très bien où est-ce qu'il faut que j'aille chercher mes courses et mes activités. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit like et un petit partage et un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.